Christian Baptiste, 45 ans, marié, père de 2 enfants. Je suis candidat aux élections municipales de mars 2008 dans la ville de Sainte-Anne, en Guadeloupe. Aujourd'hui me fait 16 ans d'expérience dans le domaine des collectivités territoriales. J'ai été pendant plus de 11 ans directeur de cabinet dans cette ville de Sainte-Anne, à la mairie de Sainte-Anne. Et en effet, à l'âge de 30 ans, j'ai été nommé directeur de cabinet de l'UB de Marcelin. Ensuite, je l'ai été directeur de cabinet, j'ai été directeur de cabinet de Marlène Captain et de M. Bastaro. En 2003, je me suis engagé politiquement à l'élection municipale, où j'ai été élu conseiller municipal. Dans la foulée, sous la liste de Victorie Lurel, la Guadeloupe pour tous, j'ai été élu conseiller régional. Et dans la foulée, en 2005, ce qui me faisait ma 3e élection d'affilée, j'ai été élu conseiller général dans le 2e canton de Sainte-Anne, assez brillamment, grâce à une forte mobilisation de la population. C'est donc ces 16 années d'expérience qui nous permettent aujourd'hui de conduire cette liste aux élections municipales qui me donne cette autorité politique, cette légitimité. Mais conduire une liste, ça veut dire qu'on est un véritable animateur, un véritable manager. Je vais donc manager et animer une équipe compétente, une équipe qui sera basée, une équipe qui sera basée dans une démarche de concertation et autour d'un projet, capable d'obtenir l'adhésion, capable de répondre aux attentes et aux aspirations de l'ensemble de la population sainte-anaise. Donc c'est fort de ces 3 éléments, un projet, une équipe, et bien évidemment, je sais que vous le souhaitez, et Sainte-Anne en a besoin, un maire jeune, dynamique, qui sera combiné avec des hommes et des femmes d'expérience et aussi une certaine sagesse. C'est effectivement cette équipe que nous vous proposons pour conduire la ville de Sainte-Anne. Ce projet que nous vous proposons, est basé sur 4 piliers. Premièrement, la cohésion sociale, ensuite le développement durable et solidaire, troisièmement, des équipements structurants, et enfin, une équité territoriale pour que l'ensemble du territoire soit convenablement équipé. D'ailleurs, vous pourrez aller sur notre site, sur mon site, www.christianbaptiste.com.net, vous pourrez avoir toutes les informations utiles et nécessaires sur l'ensemble de notre campagne électorale. Je voudrais préciser que le président du comité pour le rassemblement et la cohésion de Sainte-Anne qui représente effectivement cette démarche, cette dynamique de rassemblement, c'est donc Henri Cancel. Et nous souhaitons que vous puissiez adhérer au maximum à ce rassemblement. Et vous pouvez sur notre site adhérer, porter votre contribution financière, mais aussi votre contribution intellectuelle, votre contribution citoyenne, votre contribution au projet et votre contribution tout simplement pour la ville de Sainte-Anne. Donc nous comptons ardemment que vous puissiez vous impliquer dans cette campagne électorale à nos côtés, aux côtés de ce rassemblement pour la cohésion sainte-anaise, et nous espérons que vous aurez l'occasion aussi de nous poser toutes les questions. Et nous aurons l'occasion de répondre à toutes vos interrogations pour que Sainte-Anne puisse de plein pied pleinement rentrer dans le 21e siècle, car j'estime que politiquement, Sainte-Anne a raté son entrée dans ce 21e siècle. Et c'est cette proposition que nous faisons, qu'il y ait un projet, une équipe avec un maire jeune et dynamique pour que Sainte-Anne puisse retrouver son éclat, retrouver son dynamisme et effectivement que Sainte-Anne rayonne à travers la Guadeloupe, la Caraïbe, l'Europe, mais aussi évidemment le monde, car nous sommes dans le monde. Sainte-Anne, c'est cela que nous proposons, Sainte-Anne, pour que nous puissions tous ensemble porter Sainte-Anne au plus haut niveau sur le territoire de la Guadeloupe. Merci beaucoup.